Je crois qu'on est bon. Bien, alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite session en live pour ce dimanche hein, classique. On est un peu, j'ai un peu retard aujourd'hui, mais bon, pas grave. Je sais pas trop ce que ça va donner avec le réseau là, parce que j'ai un petit problème d'internet en ce moment. Donc, salut Sofol, bienvenue sur le live. Je sais pas si c'est très très fluide ou pas. Si c'est pas le cas, c'est que bah, j'ai pas la connexion internet qu'il faut. Faut me dire parce que j'arrive pas à trop à savoir. Bref, on va voir ça. Hein. C'est un petit test avec en clé 4G, donc c'est pas sûr que ça soit comme il faut. Moi j'ai un débit qui me paraît suffisant. Après, je sais pas ce que ça donne de l'autre côté, mais bon. Hop là. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, si d'aventure on arrive à faire ce qu'il faut? Normalement, on va essayer de terminer notre petit générateur qui s'appelle Rail Station Generator. Je vais remettre ça dans le chat. Voilà. Ça devrait être bon. L'idée, c'est... ouais, on va corriger quelques petits bugs. J'ai un petit truc que je me suis noté sur papier. Qu'il faut qu'on corrige dans ce générateur et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai fait pas mal de choses hors stream parce que j'ai pas pu streamer cette semaine dernière, à cause notamment des problèmes d'internet. Hein. Voilà. C'est grave cool. Ok, merci. On va voir, voir ce que ça donne. Je vais peut-être commencer par présenter les petites évolutions que j'ai apportées qui sont pas encore en ligne d'ailleurs, de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça. Allez, on y va. Hop. Voilà. Je vais mettre ça en un petit peu plus gros. Voilà à quoi ressemble le générateur aujourd'hui. Je regarde là parce qu'il est sur mon deuxième écran, hein. Donc si je vous regarde pas, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est juste... voilà. Donc un générateur, voilà. Donc on a ça. Il se met un petit peu dans tous les sens. J'ai corrigé pas mal de petits problèmes qu'on avait jusqu'à présent, qu'on ne pouvait pas trop faire en live parce que ça nécessitait de réfléchir profondément aux choses, hein, je veux dire. Vous voyez que c'est pas encore parfait... dans la mesure où on a ce genre de situation qui est vraiment pas ouf. Ce petit bâtiment pont là qui fonctionne moyennement, on va dire. La largeur est vraiment pas assez importante. Donc ça va être à corriger. Là par exemple il est bon. Donc ce que j'ai fait hors stream, c'est que ce bâtiment pont là que vous voyez, qui porte bâtiment 5, c'est full random. Oui, disons qu'il y a quelques milliards de possibilités différentes et tout est généré à partir du petit seed de la graine en fait qu'il y a ici. Hein. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'aléatoire parce que c'est un... En fait, si on met deux fois le même nombre, on va obtenir exactement la même configuration. Donc c'est pas aléatoire en fait, c'est déterminé par les différents... les différents chiffres. Donc c'est pour moi c'est de la ce que j'appellerais plutôt de la génération procédurale. Hein, c'est un peu comme dans Minecraft. Vous prenez deux fois le même site, vous devriez avoir normalement la même map. Voilà. Donc c'est un petit peu le même système. Ici vous mettez deux fois la même graine, vous avez exactement la même gare. Donc c'est pas, on peut pas appeler ça, on peut pas dire que c'est aléatoire, mais il y a bien des notions de probabilité derrière. C'est le site qui est aléatoire et la génération en dépend. Du coup, ouais, c'est exactement ça. Tout à fait. C'est exactement ça, je l'aurais pas dit mieux, merci pour le pour la caution. La seule chose, c'est que toutes les configurations ne sont pas possibles. Il y a des configurations qui n'existent pas et qui ne peuvent pas être obtenues. Notamment dans tout ce qui est la gestion. Alors là on le voit pas trop sur ces exemples là. Est-ce qu'on le voit ici? Non. Je vais essayer de trouver un exemple qui est assez probant. Non, ah si, celui-là était bien. Alors voilà, il y a quelques cas comme ici, où on a des voies en impasse. Là, on a des voies en impasse.
Donc là aussi, c'est toujours le seed qui détermine si la voix est en impasse ou non, mais il y a des configurations qui sont inobtenables, parce qu'en fait, la combinatoire qu'il y a derrière, ça fait trop de possibilités par rapport à la taille du seed, donc on peut pas. Puis c'est une galère sans nom parce que ça dépend du nombre de voix, etc. Donc bon, j'ai pas voulu me lancer là-dedans, mais disons qu'en fait, à chaque voix, enfin, comment sont obtenues les voix en impasse, hein, à chaque voix comment dire, est assigné un numéro, donc la première c'est numéro 1, numéro 2, etc. Et on récupère en fait le chiffre correspondant dans le seed. Donc par exemple, si je prends la voix numéro 1, non, alors ça commence à 0, oui, effectivement, ça commence à 0, donc si je prends la voix numéro 0, maintenant ça marche pas du coup. Enfin, normalement, on retrouve le chiffre correspondant, et de cette manière, on peut déterminer si une voix ou non est en impasse. En gros, si un 0, c'est en impasse au nord, si un 1, c'est en impasse au sud. Bon, là, la notion de nord-sud, elle est un peu, on la voit pas parce que le canvas subit une rotation finalement, donc on le voit pas très bien. Mais voilà, donc, toutes les configurations ne sont pas obtenables. Parce que selon que si par exemple vous mettez que des zéros, en théorie vous êtes censé obtenir des voix de ce type-là. Voilà. Si je mets cette configuration. Si je mets que des zéros, j'ai une gare qui est en impasse, donc c'est un terminus finalement. Et il y a un petit truc dans le code qui permet de dire bah voilà, je fais une petite rotation du bâtiment voyageur et de sorte à ce que ça corresponde à cette situation de gare en impasse. D'ailleurs, celle-ci est très très cool. Si je mets un 1 par exemple ici. J'ai toujours cette gare en impasse, mais le bâtiment voyageur change un petit peu parce que. Hop. Voilà, il dépend du site. Là, il est plus du tout en impasse parce que il y a non, pas non plus. D'ailleurs, il y avait un petit bug. Oh. Voilà, bon, il y a quelques configurations comme ça qui sont. Qui ont les voir. J'espère que tu vas glisser un secret site quand même. Eh ben, j'y pense. ça serait très drôle quand même. Ah ouais, un petit easter eggs comme ça. Quand on met un site particulier, ça le fait. Déjà, quand on met des 0 et des 1, en règle générale, on va avoir des gares en impasse. Donc comme toutes celles que je suis en train de montrer là actuellement. Donc, si je mets que des 1, normalement, ça le fait aussi. Ah, là, par exemple, il y a un bug. Il n'y a pas de bâtiment voyageur. Là, on n'est plus sur une gare en impasse. Il y a quelques. Oh là, ouais, il y a des configurations qui sont vraiment spéciales. Alors, je pense qu'il y avait un bug parce que normalement, on n'est pas censé avoir des petits traits sur le côté. Donc, il y a des configurations qui potentiellement bug et il faudrait que j'investigue un petit peu le pourquoi du comment. Mais celle-ci, elle est très particulière en vrai. Hein. Elle sert à rien, on est tout à fait d'accord, parce que du coup, c'est censé être une gare traversante, mais pas du tout. Ah, elle est folle celle-là. Je vais copier le site parce qu'il me plaît bien. Attendez, je sauvegarde ça dans mon bloc-notes. Oui, les traits, c'est tout à fait les bords du canvas, mais ça signifie en fait qu'il y a un bug de génération. Et il va falloir que j'investigue lequel, ce que c'est. On peut tout à fait d'ailleurs regarder ça tout de suite. C'est normalement avec la rotation, ouais, tout à fait. C'est la rotation qui se fait du coup, mais il doit y avoir un bug quelque part. Donc ça c'est normal, c'est pas des bugs, hein, c'est juste le fait qu'ils trouvent pas le fichier de pour compter le nombre de skyline, enfin de skyline de stations générées. Non, il n'y a pas l'air. 149, c'est bon. C'est quoi ta playlist? Alors, la playlist, c'est des musiques d'Adrian von Ziegler. C'est des musiques que j'ai sur mon PC, comme ça. C'est des musiques qu'on peut utiliser en stream, qui sont donc un peu d'inspiration médiévale. Donc, tu tapes Adrian von Ziegler sur YouTube et tu vas voir, c'est un gars qui est extra. Il fait des. Comment dire des. C'est un compositeur, quoi. Il fait des vraies musiques qui sont vraiment très très stylées, que tu peux. Là, son avantage, c'est qu'on peut les réutiliser. Il autorise la réutilisation lors des streams ou lors des vidéos YouTube, donc c'est vraiment très très cool. Et du coup, merci Sofol pour ton follow. Merci beaucoup. Et donc du coup, je vois pas. Y a pas l'air d'y avoir de bug plus que ça, à part là. Euh...
149, ça correspond à quoi? Ah ouais, donc il y a un problème dans le dessin des plateformes du coup. Donc va falloir que je regarde ça un peu plus en détail. Ça fait penser aux musiques d'ambiance de Skyrim. Ah peut-être, ouais. Je j'ai jamais joué à ce jeu-là, donc je peux pas te dire. Mais ouais, certainement. Hop. Bon, alors du coup, ce que j'avais pour projet de faire aujourd'hui, c'était déjà corriger un petit peu cette histoire de bâtiment-pont. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas propre du tout. Putain, elle est stylée, celle-ci. Mais il y a encore des bugs. Hein. Ça, c'est... Voilà, là, il y a un gros bug. Là, c'est sûr, il y a un bug. Normalement, ça se fait pas. Hein. "213". Qu'est-ce que j'ai écrit, moi, la ligne 213? Ah, il lit un caractère qui est 0 et c'est pas un nombre donc il sait pas quoi en faire. Ce qui est très étrange, donc là pareil, il doit y avoir un petit souci quelque part. Bon, c'est pas très grave. Ok, alors on va aller regarder ça. Je vais réduire vite fait la petite fenêtre ici, histoire que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. C'est le bordel, hein. J'ai déjà dit, je le redis, j'essaye de faire des choses propres, mais ça l'est pas forcément parce que c'est. D'une part, enfin, c'est pas du tout mon métier, donc j'ai pas forcément certaines bonnes pratiques. J'essaie de m'améliorer, mais bon, c'est forcément le bordel. Voilà. Puis j'écris toujours mes scripts les uns comme après les autres, comme ça. Bon, bref. Je cherche pas forcément à faire des choses qui soient parfaitement optimisées. Je cherche à faire des choses qui sont pas non plus utiles, mais bon, voilà, qui font des rendus assez chouettes. Comme Skyline Generator, qui est un peu dans la même veine, et où on fait des skylines un petit peu comme sur cette base-là aussi. Donc bon. Voilà, je sais, on va voir un petit peu, il y a forcément des trucs qui pourraient être optimisés, mais encore une fois, c'est pas du tout mon objectif ici. Alors, la première chose que je veux aller voir, c'est à l'endroit où on dessine le bâtiment pont, parce que, comme on peut le voir, bon déjà, il n'est pas souvent présent, mais ça, à la limite, c'est pas grave, normalement, il a 50% de chance d'être présent. Hein. voilà. Mais dans tous les cas, vous voyez, ici, il fait une petite ligne. Et puis ça clairement, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est un des problèmes, la largeur de ce bâtiment-pont. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble un peu... Hop. Attendez, je vais repasser ici. Les fonctions qui gèrent ça, elles ont un peu cette tête-là. La première en haut, elle gère le positionnement. Donc c'est une sorte de fonction de probabilité. Ouais, fonction de probabilité, donc celle-ci, hein, elle gère le positionnement de ce bâtiment-pont sur les voies. En gros, il a une faible probabilité d'être positionné aux extrémités. C'est pour ça qu'on a cette fonction en courbe, hein. Vous avez en gros ici la valeur entre 0 et 100, et là, le positionnement en Y, hein. Ouais, le positionnement du bâtiment sur la longueur en fait de ce qu'il y a. Et donc il y a une forte probabilité d'être au milieu et une assez faible d'être sur les extrémités. Donc c'est tout à fait ce qu'on veut, parce que généralement, quand on va avoir dans un bâtiment de gare un pont, bah, il est plutôt au milieu. Ouais. Il y a quelques cas où il va être sur les côtés. Et pareil, il y a possibilité de faire toutes les configurations dans ce cas-là, donc il y a 100 possibilités différentes, et normalement on peut trouver toutes les configurations possibles de gare avec. La deuxième courbe, là, ici, c'est pour la largeur. Alors, elle a pas exactement cette tête-là de mémoire. C'est plus une partie de cette courbe-là qui est en fait une courbe en cube. Hein. C'est une x cube. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, x au cube. Hein. C'est basiquement ce genre de courbe. Et donc, même système ici. On a une partie de la courbe, pareil, de x au cube. Qui est prise en compte et donc on a normalement une forte probabilité. Hop, attendez, je regarde hein, parce que j'essaye de le faire à l'envers. On a une forte probabilité d'avoir un bâtiment qui est assez peu large et normalement une assez faible d'avoir un bâtiment très large. Mais, les valeurs de départ et d'arrivée sont pas forcément les bonnes, comme en témoigne et bien ce que vous avez. Hop.
ici. Là, d'ailleurs, je suis même pas sûr que à l'échelle où c'est, vous puissiez le voir. Vous voyez, il y a un tout petit trait qui est censé être notre bâtiment pont, mais qui est pas du tout suffisamment large. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le modifier. Pour ça, on va aller dans la partie qui dessine la gare, donc le Draw Station, et le bâtiment en question, enfin, c'est des rectangles, en fait, quoi, qui font un assemblage. Et ben, ce bâtiment en question, c'est celui numéro 5. Donc, voilà comment ça se présente. Ouais, c'est suffisamment gros pour que vous puissiez voir. donc on a le si dans le dit on fait le modulo 64 machin et on a donc la moitié des cas où on va afficher ce bâtiment et l'autre moitié on l'affiche pas. Ça ces parties là où à chaque fois qu'il y a le si hein, c'est pour gérer les différents cas et s'assurer que toutes les configurations sont bien possibles. Je vous ai dit hein, il y a 10 bâtiments différents, enfin 10 corps de bâtiments différents. Plus ce corps numéro 5 qui en plus a une largeur et un positionnement qui sont variables, donc ça fait pas mal de possibilités déjà. Vous avez également un petit peu plus haut le nombre de voies entrant donc au nord, au sud. Moi je parle nord-sud parce que en fait c'est juste une rotation de canvas, mais normalement il est dans le sens du haut vers le bas, hein, vertical. Donc tout ça c'est voilà. Il y a toutes ces possibilités-là, ça fait pas mal de probabilités, et encore, on n'utilise pas toutes les possibilités avec les 15 chiffres qu'on a dans le seed. Donc, j'ai encore de la marge pour ajouter d'autres choses qui pourraient varier. Et donc là, si je reviens sur mon extension numéro 5, ça c'est juste la gestion des probabilités. Ça fait des nombres qui sont hyper grands, mais bon, on s'en moque, l'idée c'est qu'on ait bien tous les cas de possibles. Et j'ai vérifié, alors, théoriquement, ça semble bon. Après, j'ai pas vérifié les milliards de possibilités, littéralement. Parce que vous voyez qu'on arrive ici à... tac. Donc là, on est en millions. On a 100, un peu plus de 100, 100, presque 177 milliards de possibilités de gares différentes qui existent. Alors, il y en a forcément qui se dupliquent, parce qu'on a 15 chiffres. On les utilise pas tous encore. Mais voilà, je crois qu'il nous reste... on pourrait encore mettre 7000... variantes possibles. Donc là, ce qui nous embête, c'est le width dans un premier temps, qui n'est pas assez large. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ? Parce que le white space, normalement, il vaut. White space, c'est l'espace qu'il y a entre les voies. Donc au minimum, il doit vous valoir. Je crois que c'est ça. Hein. C'est tout en haut, ces variables-là. Non. Il vaut 7 pixels, donc il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas du tout, même. 7 pixels. Pourquoi ça veut pas ça? Alors, est-ce que je me serais trompé dans mes parenthésages? Non. H sur 6, ok. Bridge W. Non, moi ça c'est pareil. Ça va être pour la longueur, donc c'est pareil, il y a une petite erreur ici, parce que comme vous pouvez le voir sur cette image-là, le bâtiment pont qui est là en plus tout moche, j'essaie de vous en trouver un autre, parce que ouais, on ne le voit pas, ils sont vraiment trop petits. Hein. Ah voilà, là il est un peu mieux déjà. Donc ce bâtiment pont, bah, il va pas jusqu'au bout, il couvre pas toutes les voies, ce qui est un peu bête. Donc on va essayer de corriger ça. Ça fait deux choses à corriger, hein, le fait que la largeur soit pas assez bonne, soit pas assez grande, pardon, et le fait que il couvre pas tout. Donc là c'est les valeurs en x qui sont pas bonnes. Donc là on commence par corriger la largeur. Est-ce qu'il est possible que j'ai mis des zéros en trop? Non, on a bien 100 possibilités différentes, donc ça on est bon aussi. J'avoue, je sais pas, je saurais pas trop dire. Est-ce que j'ai un but pour ce projet ou c'est pour le plaisir? C'est juste pour le plaisir, j'ai
aucun objectif derrière. C'est juste que j'aime bien faire ce genre de petites choses. C'est des outils qui sont juste marrants à explorer, voilà. Il y en a plein, il y a pas mal de générateurs comme ça en JavaScript. Il faudrait que je fasse. Bref, je pourrais faire une petite vidéo sur YouTube là-dessus parce que c'est, il y a plein de trucs intéressants. Il y en a un qui génère des locomotives notamment, qui est très cool, que j'ai déjà pas mal utilisé. Il y en a un qui génère des runes, c'est super cool aussi. Enfin bref, il y a pas mal de petits générateurs qui existent comme ça. Et puis bah moi j'avais envie d'en faire un avec des gares. Sachant que c'est des choses qui sont faciles à faire avec un canvas, quelques petites courbes en bézier, etc. Donc voilà, c'est juste pour le fun. Juste pour le fun. Donc là, a priori, on a un nombre qui est trop petit. Ce qui est bizarre. Je pense que je vais faire un petit print juste pour... Alors le print c'est comme Python, hein. Moi à la base je fais de la programmation sur Python, hein. C'est donc quand je parle j'emploie souvent le vocabulaire un peu Python parce que c'est l'habitude, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Si je reload ça, est-ce que la largeur... Ah bah il a pas envie là. Ah si. 20 pixels, d'accord. Ah. Et voilà le problème. C'est que là, on avait tout à l'heure une largeur qui faisait moins 59 pixels. Alors non. Ce n'est pas possible. Mais alors clairement pas. Bah, va falloir que je retrace en fait la courbe dans GeoGebra pour voir à quoi elle ressemble. Mais c'est normalement c'est censé être la même que celle du dessus. Je comprends pas pourquoi ça fait des... Ça fait pas du tout ce que je veux. Bon alors, ce que j'ai pas envie, ce que j'aime pas, c'est que GeoGebra... C'est sur internet. Ça va me faire laguer de ouf, ça, c'est sûr. Tac. Alors, du coup, ça va me permettre d'illustrer un petit peu aussi eh bien, les différentes courbes et sur quoi elles se basent pour les ensembles de probas. Donc à la base, c'est juste une courbe de cette manière-là, hein. C'est un x cube. Voilà, donc qui a à peu près cette tête-là. Et bah, du coup, et en fait, c'est juste ça, c'est que j'ai oublié le signe moins. Elle est très exactement dans ce sens-là. Et si je reviens... c'est x cube fois h sur 6. H, c'est la hauteur du canvas. Donc fois... Alors non, c'est x cube moins 100 sur 100, voilà, donc x cube, non c'est x moins 100, on recommence, sur 100, et le tout à puissance 3, voilà. Donc ça donne ce genre de courbe, popopom. Juste dézoomer, alors là elle est vachement allongée, ce qui est à peu près normal, et ensuite je la multiplie par la hauteur. Merci de ton passage Sofol, et à la prochaine, merci. Donc là, j'ai juste à multiplier par la hauteur qui vaut 750 pixels, donc je mets 750 et j'ai fait, je regarde ce que j'ai noté ici, sur 6, donc 750 sur 6, voilà.
ça, c'est l'allure de notre petite fonction. Ça ressemble juste à ça. Voilà. Et a priori, on a des valeurs ici en x qui doivent être comprises entre 0 et 100. Ce qui est... alors c'est peut-être ça, hein, c'est... Donc ce qu'il y a dans le... Ça... Ça doit être compris entre 0 et 100 normalement. Ce qui est pas évident. C'est peut-être pour ça que ça bug un peu en fait. Parce que si on a des valeurs négatives, si je reviens sur la calculatrice, si on a des valeurs négatives, ça veut dire qu'en fait, on est dans cette partie-là de la courbe. Alors déjà, on peut, c'est pas possible parce que j'ai oublié un signe moins, a priori. Oui, j'ai oublié un signe moins. Donc c'est moins mat.po. Voilà. Et donc l'erreur qu'il peut y avoir, c'est que la partie qui est élevée à la puissance 3, hein, bah soit pas comment dire, comprise entre 0 et 100. Parce que normalement, si c'est compris entre 0 et 100, hein, c'est cette courbe-là, ça doit donner un chiffre qui... Enfin, une valeur qui est comprise entre, du coup... entre 0 et 120, mais moi j'ai rajouté un petit espace pour que ça soit entre 0 et 120 plus cet espace, quoi. Bon. Je sais pas si c'est très très clair ce que je raconte là, mais dans l'idée, pour moi c'est clair, ce qui est déjà le principal. Donc, faut retester ça, et ce que je vais imprimer également, c'est le résultat de ce truc-là. De ça. Je vais être sûr que cette partie-là, elle est bien comprise entre 0 et 100 dans n'importe quelle situation. Tac. Alors, on va recharger notre petit truc. Je vous le mets en plus gros, histoire que vous puissiez voir. Ok. Donc là, il y a le bâtiment pont. Mais pourquoi il ne m'affiche pas ce qu'il faut ? Hein ? Ah, peut-être que j'ai pas... Ah. J'ai pas sauvegardé. Ça, c'est le fail. Le super fail. Alors, on recommence. Ok, 97. Donc là, on est bon. 18. 24. 82. Ouais. Ça m'a l'air déjà un petit peu mieux. Et effectivement, quand on regarde les résultats, on est sur des choses un petit peu plus conformes. Donc il y avait juste un petit signe moins, a priori, qui manquait. C'est ça. Ok. Bon, a priori, bug résolu. Hein. Ah, super. Et on arrive du coup au second bug. Enfin, c'est pas vraiment un bug, c'est juste que ce cas de figure n'est pas prévu par le code, en fait, l'algo qui est derrière. Ce cas de figure, c'est le suivant, c'est le bâtiment pont qui est trop large, du coup, et qui va dépasser, en fait, de l'espace où vous avez les quais. Donc c'est le cas que vous avez très exactement sur cette génération-là. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est un petit... ça va pas être qu'un min, ça va être peut-être un petit peu plus subtil que ça, ou un min ou un max, hein, de cette coordonnée là, hein, faut voir que le canvas normalement il est droit, dans le sens vertical, hein. Si je remets celui que j'ai ici à l'écran vertical, on va dire que là on est en bas et là en haut, donc faut que je dise je veux pas aller au-delà de cette coordonnée y ici et pas au-delà de en deçà de cette coordonnée y ici, hein. Les canvas fonctionnent avec les y qui sont positifs vers le bas et les x qui sont positifs vers pour vous par là, mais pour moi par là. Vers la droite, voilà, comme le x c'est normal, le y c'est inversé par rapport à l'approche qu'on a habituellement.
Ce que je comprends pas, mais bon, pourquoi tout le monde fait pas comme ça? Et puis, bref, ça simplifierait beaucoup de choses, mais bon, il y a beaucoup d'autres. Enfin, dans des moteurs de jeu, par exemple, c'est souvent le cas aussi, que les coordonnées soient un peu inversées. Enfin, bref, passons. Donc, on va essayer de gérer ça. Alors. Ce qui est assez intéressant, c'est que comment dire? La position, elle est un peu absolue, c'est-à-dire que le canvas, on sait exactement où s'arrête l'espace qui est dédié à la gare, en fait, avec les quais et tout. C'est H sur 3 en haut et 2H sur 3 en bas. H étant la hauteur du canvas qui est 750, mais à la limite, on pourrait le modifier, ça changerait rien, j'imagine. Pour le moment, elle est absolue, peut-être que dans des versions plus futures, j'adapterai ça à la taille de l'écran comme j'ai pu le faire sur d'autres générateurs. Pour le moment, on laisse absolue parce que ça me simplifie beaucoup la tâche dans une première approche. Mais bon, ouais, c'est des étapes un petit peu de création de ce genre d'outils. Donc, on est ici et ce qu'il va falloir gérer, c'est à la fois la position Y. C'est pas simple hein, parce que les rectangles, en fait, on précise le point initial. Par exemple, quand je dessine un rectangle, hein, je précise le point initial 1 en X et en Y et puis je lui donne une largeur, une hauteur. Donc, ça simplifie, c'est pas si simple que ça. Donc, dans tous les cas, on doit prendre pour. C'est en Y que ça se passe. Hein. Alors, le point initial Y, a priori, il est toujours. Ah, c'est pas évident parce que s'il est tout en bas et que je prends le minimum. Je vais me retrouver avec des gares qui sont toutes petites. C'est sûr. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est limiter peut-être. Ouais. Ah, c'est pas évident. Je vous explique. Je peux vous essayer de vous dessiner un peu le problème. On va l'expliquer à partir de cette vue-là. Ce sera peut-être tout aussi bien. En fait, le problème, il est là, c'est quand notre bâtiment pont, il va arriver ici en bas. Parce qu'il est tout à fait possible, il y a une faible chance que ça arrive, mais ça c'est des cas qui sont prévus, que le point initial, eh bien, il décide de le dessiner à partir du coin de ce bâtiment-là. D'accord? Dans ce cas-là, peu importe la largeur qui est définie en même temps, dans tous les cas, ça va dépasser, parce qu'il construit le rectangle en allant vers le bas. Donc ça ne simplifie pas la tâche. Ah non. Ah non. Non, non, non. C'est beaucoup mieux que ça. Je me trompe. En fait, c'est le milieu. Le point ne repère pas le coin supérieur. Hein. C'est-à-dire ce coin-là. Je vais remettre en gros. Hein. Il repère le milieu. D'accord? Donc, en fait, peu importe la largeur. Au minimum, si le milieu c'est le point extrême ici, il aura une largeur de white space x 3, c'est-à-dire 21 sur 2 de 10 pixels. À définir si c'est suffisant ou pas. Donc non, c'est pas un problème. Ok. Je sais pas si j'étais très clair encore une fois, mais moi je me suis compris, donc c'est principal. Donc en fait, le positionnement Y, on s'en fout. Voilà. La seule chose, ça va être quand on va donner la largeur ici, il va falloir juste s'assurer que ça dépasse pas. Donc pour s'assurer que ça dépasse pas, on doit avoir une sorte de condition. Je vais l'écrire comme ça, puis on essaiera de clarifier les choses après. C'est en gros si, je l'écris en Python, hein, on s'en fout. La position initiale plus la largeur dépasse H 2H sur 3. C'est ça. Donc c'est le init Y hein, qui vaut ça. D'accord? Donc si je le mets là par exemple, c'est égal à ça. Si init Y il est plus grand que bridge, hop. Non, que 2H. Alors c'est init Y plus, pardon, le bridge
W, hein. Plus la largeur en fait de notre bâtiment pont. Si ça c'est plus grand que 2h sur 3. Oui, 2 fois h sur 3. Alors il faut réduire la largeur. En gros, c'est ce qui va se passer. Après, on va le faire en une seule ligne. Hein. C'est-à-dire qu'on va remplacer le bridge W par une fonction min. Je sais pas du tout comment on les écrit en JavaScript, mais peut-être comme ça, je sais pas. Ouais, je vais rechercher. Et donc là, en gros, on fait. Voilà, faut modifier la hauteur. Hein. Modifier la largeur. Donc en fait. Est-ce qu'on peut remplacer ça par juste une condition min? Un min max. Ouais, non, ça me paraît compliqué. Du coup, on va être obligé de passer par une condition, je pense. Voilà. Hop. Non, je pense qu'on pourrait le faire par une condition min. Il faudrait que je le note. En vrai, la plupart des if, on peut les faire par des min. Des min ou des max aussi. Bon, ça sera plus un max en vrai. Non. Ça va être un min. Il faut que je fasse qu'on. Il faut que je cherche comment on fait un min en JavaScript. Ça, sauf ça s'écrit juste min, hein, mais bon. Des fois, c'est pas aussi naturel que Python. Genre pour les puissances. Math.min, ok. Alors, tac. Je pense que le mat.min en fait il va être dans le bridge W, hein, mais ah non. Non, il sera après. En fait, c'est le min de la largeur de notre bâtiment pont. Et de l'espace restant pour ne pas dépasser. Et donc cet espace restant pour ne pas dépasser, ça s'écrit 2h sur 3. Moins en fait ça. Hein. Je pense que c'est assez clair, hein. Donc on fait juste le min de la largeur, voilà, et de l'espace qui reste pour ne pas dépasser. Hein, si je reprends mon exemple qui est ici, en gros ça devrait, si mon raisonnement est correct, tronquer notre bâtiment ici. Et pour le savoir, en fait, on va copier ce seed. Non, ça c'est du Python. Tac, je le mets là et je vais mettre ça à la place de mon bridge W ici. Voilà. Tac tac tac. Et puis on va pouvoir voir si c'est bon. Donc, le console, là j'en ai plus besoin. Je recopie le seed. Et on recherche ça pour voir. On est d'accord que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Du coup, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va pas dans mon raisonnement là?
Est-ce que forcément... Est-ce qu'on est bien à 2H sur 3 en fait ici? Oui, bah oui, parce qu'on est à 2 tiers, oui c'est ça, 2H sur 3, c'est bien ça. Moins bridge Y. Moins bridge W. Donc ça c'est la position Y, ok. Et normalement on doit... Là on mesure en fait l'écart qui est entre... Entre ici et ici, hein, c'est ça qu'on mesure. Eh bien, on va juste tester ça séparément. C'est ok, et je vais le mettre dans le console.log ici. Donc on va imprimer le bridge W. Je vais imprimer le bridge. En fait, on va imprimer les deux trucs. Tac. Ça se trouve, c'est une erreur toute con. C'est même sûr. Tac, et qu'est-ce que ça donne quand je mets ça dans le... Alors, on a 55, donc ce bridge W vaut 55, ok, mais de là, de toute façon, on n'a pas de problème. Ah, mais en fait, c'était peut-être le cas inversé, c'est peut-être juste ça. Hein. Si je remets le seed, en fait, c'est juste que le canvas, il est complètement retourné, c'est peut-être juste... ce cas-là, et du coup on n'a pas géré effectivement ce cas. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, ça va être un peu plus chiant à gérer parce que c'est la position en Y. Non, la position en Y, elle est bonne. Non, non, elle n'est pas bonne. Donc on va y avoir si un petit min à mettre ici aussi. Et il va falloir corriger du coup le bridge W parce que sinon. Oh là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc le bridge Y. Ouais. Pas facile. Ok, il y a une correction à apporter du coup sur le bridge Y pour qu'on reste bien malgré le fait qu'on retranche en fait la demi-largeur du bâtiment. On reste bien quand même dans l'espace qui est dédié au traçage de ce bâtiment-là, qui est donc en fait entre les là sur cet exemple-là, entre les deux barres, enfin, entre les deux extrémités de cette barre grise là, qui correspond au quai. Donc c'est pareil, une condition un petit peu minimum. Le truc, c'est que là ça me pose des problèmes, c'est que cette condition minimum, elle va impacter en fait la largeur du bâtiment après. C'est-à-dire qu'il va falloir retrancher aussi une largeur, encore une fois, au bâtiment. Enfin, toute la partie qui est censée, donc sur cet exemple-là, toute cette partie-là, faut quand même la retrancher parce que normalement elle est orientée vers le haut. Et là, ça fait... Donc là, en fait, c'est juste un mat.max hein, de H sur 3. Et de la différence entre les deux. Donc en fait, si je remets ce seed là, on devrait voir le gros corps de bâtiment qui est là, mais décalé. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que ça le tronque en fait. Ça le décale pas, ça le coupe. Pour que ce soit exactement. Enfin, ça c'est exactement le bon comportement. Bon, après, c'est
enfin, esthétiquement, c'est pas gênant de le laisser comme ça. Mais mathématiquement, c'est pas ce qu'on veut. C'est juste ça. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, il faut qu'ici, on retranche quelque chose. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est absolument dégueulasse. Comme code. Donc, on va retrancher... la différence en fait entre les deux là. Je vais essayer de m'aider d'être clair. Je sais pas encore si c'est un min ou un max, donc on met man.xxx, voilà. Et on va faire un min entre 0, donc forcément si on fait un min entre 0, ça va être... si on fait un min, c'est un min, un max. 0. Et la différence entre ces deux trucs là, donc si en fait je fais h sur 3 moins ça, donc moins l'imposition de départ en y, si cette différence elle est positive, on s'en fout, ça veut dire que le y de départ il est bien placé au milieu ici. Si la différence est négative, ça veut dire qu'il est placé ici au-delà, dans cette zone là, et que du coup faut retrancher une partie. Et donc ça doit donner un nombre négatif que l'on enlèvera ici. Et donc a priori, ça doit être bon. Donc je copie ça ici, je mets hop, un moins, un petit moins. Et si mon raisonnement est correct, pour tester, on va remettre toujours le même seed. Et il ne l'est pas. Ah oui, parce que je fais moins, donc je fais un plus en fait. Oui, parce que ça c'est forcément un nombre négatif hein, si on le tient, on le prend en compte. Donc faut faire plus. Ouais, toujours pas. Ça veut dire qu'il m'a trouvé 0 ici. Attendez. Tac. H plus 3. H sur 3. Ah mais oui, non, ça fait un nombre positif, ça. Donc c'est l'inverse. Non, pour que ça fasse un nombre négatif... Ah, il n'y a plus de musique. Oh, il n'y a plus de musique, c'est bizarre. Est-ce que si je vous remets un peu de... Ah, bon, on va mettre un petit peu de Tom Forest. J'en ai d'autres, faudrait que je les ajoute à ma bibliothèque. Hop là. J'ai des tas de musique. Ouais, bon, faudrait que je les retrouve, mais j'ai pas mal de d'autres musiques d'Adrian von Ziegler également. Ah, mais il les trouve pas, les musiques, c'est bizarre. Ah bah oui. comment vous dire? Mais il y en a qui les trouvent, bon, c'est pas grave. Faudrait que je gère la question de la musique un petit peu plus tard. Bref, revenons à nos moutons. Donc oui, H sur 3... moins quelque chose qui est plus petit. Ça donne forcément un nombre positif. Donc en fait, c'est pas un min, c'est un max qu'il faut faire. Et donc si en fait le y il est en dessous de h sur 3, ça va donner un résultat négatif. Et donc du coup, si je prends le max, j'ai bien 0. Ok. Donc là, c'était bien un moins. Pour avoir le... pour réduire effectivement la largeur. Donc là, on devrait être bon. C'est... voilà. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Oui. Bref, voilà ce que je cherchais.
Donc on a fait ça. C'est dégueulasse, hein. Franchement, là je regarde les lignes que vous n'avez pas vues du coup. Hop, là, voilà. Cette ligne-là, elle est sale. Mais elle fonctionne. Bref, donc on a résolu plutôt les deux petits problèmes qui restaient pour cette première version de Rail Station Generator. Extension 5, je vais préciser que c'est un bâtiment pont. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour clôturer un petit peu cette première version donc, de Rail Station Generator, ça va être de commenter un petit peu le code, ça va me permettre de réexpliquer peut-être certaines choses éventuellement, et de comment ça fonctionne surtout. Bon, c'est un bordel sans nom. Donc ça, c'est... Ça on s'en fout, tac. Donc ça, je vais mettre un peu de commentaires pour moi quand je le reprendrai, pas au mois de février, mais peut-être qu'on travaillera sur une autre version, enfin sur des améliorations, des trucs supplémentaires, au mois de mars vraisemblablement, ou plus tard, je sais pas. Non, ça c'est la largeur du canvas. Donc d'ici 2 mois, j'aurai forcément oublié la plupart des choses. Donc c'est important de mettre un peu de commentaires tant que c'est chaud. Largeur du canvas. Là, on a la hauteur du canvas. Donc, ouais, une des améliorations possibles que je pourrais apporter, c'est que, bah voilà, justement, la largeur et la hauteur soient variables en fonction des dimensions de l'écran sur lequel est chargée la page. Toiture, ça, c'est des restes de de ce qu'il y avait avant. Ok, Sky, c'est pareil, c'est des variables dont on n'a pas besoin. Tac, tac, tac. Add and Megen, ça, on en a besoin. Le seed, point to fix. Tac. Là. Tout m'a l'air à peu près bien. Ah, ça se... Le bâtiment en pont, il fonctionne super bien. Hein. Maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a une petite demi-heure. Hein. Hop. Je vais tester les configurations bizarres dont on a vu au début. Là. Genre, ces configurations-là. Ça fait quand même une très, très grosse... Oh, oh, oh. What? On est d'accord qu'il y a un truc qui va pas, hein. Il n'y a pas d'erreur a priori, hein, ça c'est juste les scripts d'incrémentation du compteur qui fonctionnent pas, c'est normal. Ce qui fonctionne que sur serveur. Je travaillerai sur un serveur local, ça marcherait mieux déjà. Souvent j'ai la flemme de le setuper. Enfin, sachant que c'est pas nécessaire à 100%. Quoi. Dans le cadre de cet exemple là, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce qui se passe en fait, c'est que les liens de ces deux voies, normalement, ils sont ajoutés après coup. Hein. Et puis il me les fait, mais de l'autre côté complètement. C'est ouf ça, il est pas censé. Hein. En fait, il y a plusieurs problèmes a priori. Le premier, c'est que il fait des liens pas là où il faut. Et le deuxième, c'est qu'il y a des voies ici. Alors que, bah non. Normalement, ces liens-là, il est censé les faire de ce côté-là. Donc, c'est les liens supplémentaires. Donc là, il y a un bug. On va conserver cette station-là, cette gare-là. Et on va essayer de
gérer le problème. Alors, le problème, il se situe forcément dans les liaisons. Lien, voir les voix. Entre gestion des cas où le nombre de voix entrantes et sortantes est supérieur au nombre de voix hackées. Donc, c'est là-dedans qu'il y a un souci. Il y a des chances que ça soit dans le outway. Je dirais comme ça. Parce que dans la structure de middle point, c'est la liste des points extrémités des voies centrales ici. Dans cette liste-là, donc on a la coordonnée X, la coordonnée Y de début, la coordonnée Y de fin. Donc, implicitement, le début c'est en haut, la fin c'est en bas. Et je pense que c'était ça le problème. On va tout de suite le voir. Hein, j'ai enregistré. Ouais. Exactement. Voilà, c'est un petit peu plus propre quand même. Ouais, c'est des configurations qui sont hyper intéressantes. Quand c'est toutes celles où il va y avoir des 0 et des 1, ça va être assez intéressant parce qu'il y a une majorité de 0 et de 1. On a tout ça là. C'est assez chouette, à vrai dire. Bon, un bug de plus de résolu, du coup. Allez, on retourne à nos commentaires. Donc, bon, là, on appelle les fonctions, ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est la génération du seed. Ensuite, on a le nettoyage du graphe. OK. Tac, tac, tac. Conversion, ça, c'est la conversion du... Ah oui, c'est la longueur du seed, parce qu'on en a besoin à certaines longueurs du seed. On n'est pas obligé de mettre 15 chiffres, hein, mais du coup, il arrive à gérer le cas où il n'y en a pas 15. Longueur du seed. Non, c'est la récupération de la longueur du seed. Hein. Ça, après, c'est le début du traçage. Alors ça, on s'en fout maintenant. Ça, c'est le fond. Alors oui, le var seed, on va le mettre ailleurs parce que... Là, on va remettre à cet endroit-là toutes les variables un petit peu globales qu'on puisse éventuellement les gérer différemment à un autre moment. Variable de... dessin. Tac, donc là on a les angles. Alors ouais, au niveau des étapes en fait, elles sont pas du tout dans l'ordre du code. Ce qui est un peu problématique. Faudrait que je vois hors stream si je peux les remettre dans l'ordre, mais. Je vais être très honnête, j'ai un peu la flemme. Mais c'est pas très très grave. Hein. C'est pas très très grave. Donc le dessin. On va essayer de mettre un hop, dessin. Hop. Tac. Ensuite, donc là après on a les 17 différentes étapes. Donc on a la première, qui est en fait la 11e, dans l'ordre des probabilités, c'est le dessin. Bon, on peut mettre étape 1, ça sera plus facile. Rotation en fonction du seed, d'accord. Donc là, on a. En fait, il faut déplacer le coin supérieur gauche du canvas sur un cercle qui englobe le cercle dans lequel est inscrit le canvas. Et on fait une rotation en même temps qu'on déplace ce point-là. C'est pour ça qu'on a un rayon, qui est le rayon du cercle, tout simplement, de ce cercle-là. Donc c'est juste la longueur, c'est celle-ci, hein, c'est la demi-diagonale de notre canvas. Et l'angle, c'est après l'angle de rotation qui, lui, dépend du seed. Et là, je crois qu'on a 72 possibilités, il me semble. J'ai mis un pas de 5, si je calcule bien... Oui, c'est ça. Un pas de 5 degrés.
Ça sert à rien d'être plus précis que ça. Déjà 72, on voit à peine les différences. Ctx.save, ici, on sauvegarde la position initiale. La position initiale, je suis... On s'en sert pas. Celui-là, on s'en sert pas. Mais on pourrait s'en servir. Translation du coin supérieur gauche. Ouais, pas droit à gauche. Hein. Et rotation. Alors, ensuite, en étape 2, c'est... En fait, on fait une rotation du repère, hein, en réalité. On bouge le repère, hein, du canvas. Ce qui est génial, hein, comme système, c'est-à-dire qu'au final, on se repère toujours sur les mêmes coordonnées, mais on bouge le repère, et ça, c'est tellement... C'est d'une puissance par rapport à avoir à juste bouger, faire une... Enfin, non, ça, je trouve ça top. Bon, sinon, on aurait fait la rotation à la fin, mais... Je trouve ça top. Alors, le white space. Ça, c'est pareil, on va les mettre dans les variables de dessin, ça sera plus simple. Donc, le white space, c'est l'espace entre les voies centrales. PM, multiplicateur pour la largeur des quais, c'est déjà écrit. Donc là, on a le nombre de voies à quai. Voilà, tac. Middle point, c'est ici, ça c'est du stockage. Stockage des coordonnées des extrémités des voies. Position, est-ce que la position a varié? Oui. Voilà, c'est l'incrémentation de la position. Du point. En fait, c'est le pointeur, hein, qu'on bouge, je pense. Ouais, du pointeur. C'est exactement ça, hein, c'est le pointeur des voies. Qu'on bouge, ok, donc là on dessine dessin des voies avec quai, dessin gestion des impasses, des voies en impasse. Bon, c'est des fois un dessin des voies et des quais en fait, hein. Parce que la ligne ici, c'est les voies. Et le draw platform, forcément, c'est le dessin des quais. Comme ça, ça sera plutôt bien documenté. Donc là, après, on ajoute les différents points. Gestion des voies en impasse. Moins 1 sur les coordonnées. Avec 2n coordonnées, peut-être. Y signifie... Que la voie est en impasse. Tac tac tac. Ici, ça c'est la partie incrémentation du pointeur. On va mettre qu'un ici, tac. Comme ça, c'est à peu près propre. Ok, ensuite on a ici le dessin des quais extrêmes. Dessin des quais extrêmes, donc pourquoi il y a un draw platform? Ah oui, non, c'est dessin des quais extrêmes, donc on reste dans le dessin, ouais, ok. Dessin des quais extrêmes, ok. Ouais, je sais pas ce que ça fait. Ah si, ça y est. Donc là, après, on est dans le dessin des voies.
Alors là, on est ouais, dans la deux, troisième, on va dire que c'est la troisième étape, hein. Oui, c'est exactement ça. Étape 3. Dessin des voies nord et sud. Donc ça, en fait, ça, on pourrait le mettre tout à fait plus loin. Parce que c'est un bout de code qui compte le nombre de voies, comptage des voies effectives. Attendez, hop, ouais, c'est ça. C'est pour la gestion des liaisons. Donc ça va dans cette partie-là en fait, hein. On n'a pas besoin a priori que ça se fasse avant, parce que si on l'utilise. Ah. Ah bah si, 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 attendez, on en a besoin avant. Je vais y réexpliquer pourquoi. Parce que dans le cas où on a toutes les voies en impasse, comme c'est le cas sur l'exemple que vous avez ici, on ne dessine pas les voies. Donc par exemple, là, donc la première étape, c'est bien le dessin des voies centrales. Hop, je vais agrandir. C'est le dessin des voies centrales qu'il y a ici, d'accord? Et là, dans ce cas-là, bah, on a mis. Le hasard fait que les deux voies extrêmes sont en impasse. Et du coup. Bah, il n'y a pas besoin de dessiner les voies qu'il y a de ce côté-là. Sinon, on aurait un trou et c'est complètement nul. Et du coup, on remplace ça. On fait... Après, vous allez voir, il y a une petite rotation dans le cas où on n'a que des voies en impasse d'à côté. Il y a une rotation de la gare de ce côté-là. Et techniquement, il y a aussi une situation où ce bâtiment il recouvre les deux voies et ça, c'est stylé. Faut les trouver par contre, je sais pas. Je sais même pas si elles existent, ces configurations. Mais bon, théoriquement, ça peut, j'imagine. Bon, ça limite vachement, hein, parce qu'on doit forcément avoir des voies en impasse, donc c'est des graines qui sont faites que de 0 et de 1. Forcément. Donc, bah ça, c'est le comptage du nombre de liaisons. Ouais, comment on pourrait dire ça? Juste fermer ici. Tac. Comment je pourrais mettre ça? Donc là, on a le nombre de voies en impasse au nord. Nombre de voies en impasse au sud. Voilà, voie nord. Alors ensuite on a ici, tac tac tac, dessin des voies nord. Ça c'est stockage, comment je l'ai appelé tout à l'heure? Stockage des coordonnées. Des points extrêmes. Même si en réalité, encore une fois, on prend en compte que les coordonnées X. Parce que bah, les Y qui sont absolus, donc y a pas moyen de les changer, ils dépendent en fait de la hauteur du canvas, donc ça a aucun intérêt. Donc on les dessine, machin, dessin des voies sortantes. Pareil, je vais faire un petit copier-coller. Ah ouais, il y a peut-être. Ça, c'est le nombre de voies. Nombre de voies au nord. Hop. Ici, on a le nombre de voies au sud qui est compris entre 1 et 5 de mémoire. Ou 3. Ou 4. Enfin, je sais pas s'il y a des configurations à 5. Non, je crois que c'est entre 1 et 4, hein. Ouais, c'est ça. Entre 1 et 4. Où est-ce que j'en étais? Là. Nombre de voies au sud. Donc là, c'est les voies plutôt sud. On va les appeler. Hop. Là, je peux virer la ligne. Ok. Le saut de ligne. Voie sud. Oui, est-ce qu'il y a besoin de conserver ce petit commentaire? Non.
Hop, dessin. Alors, l'étape 4, c'est le dessin des liaisons. Donc, les liaisons, basiquement, ce sont des courbes en Bézier. Voilà, tout simplement. Puis voilà, c'est tout. Point nord. Hop. Alors, qu'est-ce qui fait ce bout de code-là? Ah oui, ça teste à chaque fois si c'est différent de moins 1. Pourquoi il est deux fois? Ah oui, d'accord. Lien vers les voies nord, lien vers les voies sud. C'est plutôt ici, hein. Bon, là, les variables intermédiaires, elles sont pas nécessaires en réalité. Je pourrais largement les virer, ça enlèverait. Je les avais mises pour moi, pour me repérer, mais je peux tout à fait les enlever, X. Donc là, le Y, il vaut ça. Là, il vaut ça. Ici, c'est la même chose, mais au lieu d'un 1, on a un 0. Tac, tac. Donc le Y, je peux le virer, hein. Pouf. Et là c'est pareil, sauf que le Y il vaut, il est en 2. Ouais, ça va enlever quelques lignes quand même. Puis c'est pas forcément moins clair parce qu'on précise bien que le middle point il contient les coordonnées. Ok, ça me dérange pas particulièrement moi de mettre des variables intermédiaires comme ça, même si elles sont en fait dans le code elles sont pas utiles. On peut tout à fait faire ce que je viens de faire ici. Donc ça c'est clair. Lien vers la voie sud. Là on a la gestion des cas où le nombre de voies entrantes et sortantes est supérieur au nombre de voies à quai. Là t'as les voies. Alors nombre de voies. On va rester dans les mêmes terminologies, nord et sud. Là c'est le cas nord. Sud. Pareil, on reprend. Voilà, je les récupère parce que ça fait des indices qui sont beaucoup trop grands. Même si, encore une fois, on peut. Ouais, je peux les mettre. Bon, ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est reprendre la longueur à chaque fois plutôt. Ok. Et ouais, c'était là qu'il y avait un petit bug. Donc, faut pas le reproduire. Tac, donc ça, les x, y, y, on peut les virer, on n'a plus besoin. C'est pas ce que j'appelle de l'optimisation, mais bon, ça clarifie un peu les choses. Ok, étape 3, c'est bon. C'est étape 4, les liaisons, hein. Étape 4, dessin des liaisons. Ensuite, on a rotation. Alors, rotation et translation, ici, c'est une rotation pour le dessin de la gare. Donc, en fait, l'étape 5, c'est juste étape 5, dessin de la gare. Donc, on a juste là, on gère les cas où on n'a que des voies en impasse. Hein. Rotation. Si on a que des voies, que uniquement. Alors comment on peut dire ça? Que des voies en impasse au nord. Si toutes les voies sont en impasse au nord. Sachant que les deux ensemble, c'est pas possible. Parce que si une voie est en impasse d'un côté, elle ne peut pas l'être de l'autre. Et ça c'est dit. Où est-ce que je l'ai noté ça? Enfin où est-ce que je l'ai noté? Quand on définit ici le. Voilà le. En fait, ça correspond à deux cas. S'il y a un 0, en gros, c'est en impasse au nord. S'il y a un 1, c'est en impasse au sud. C'est facile du coup de contrôler qu'une voie est en impasse ou pas. Donc on récupère le chiffre correspondant, etc. Pourquoi je l'ai mis en pourcent 10? Ah oui, si, c'est normal. Pour avoir un nombre entre 0 et 9. Et avoir 10 chances, du coup.
ou ce serait l'île. Donc en fait, il y a une chance sur 10 que ce soit en impasse au nord, une chance sur 10 que ce soit en impasse au sud, et 8 chances sur 10 que ce soit traversant. Et on pourrait augmenter ce taux pour notamment avoir plus de chances d'avoir des gares en impasse. Ça peut être une chose assez intéressante, parce qu'on a vu que ça se réalisait assez peu finalement de manière aléatoire, hein. Là, si vous voyez, je génère pas mal de gares. On n'a pas beaucoup qui sont en impasse. Il y a encore un petit bug qu'il faut qu'on résolve aussi. D'ailleurs, il y avait un cas là qui n'était pas géré. Ouais, là, on est dans un des cas où c'est un peu limite, hein. Vous voyez, le bâtiment, voilà. Bon, ça, c'est stylé. Celle-ci, elle est stylée aussi. En fait, les plus intéressantes, c'est pas les gares où on a 15 voies, c'est celles où on n'en a pas beaucoup. Ah, il a pas sauvegardé le site que j'ai mis tout à l'heure. C'est pas grave. Celle-ci, ouais. Ouais, vous voyez, le nombre de gares en impasse, c'est quasiment inexistant, hein. Pourtant, là, on avait un cas qui était intéressant. Oh, celui-là, il est chouette. Ah. Pourquoi celui-là, il s'est pas connecté? Alors là, il y a un mystère quand même. Je sais pas quel cas on gère. Quel cas on est là? D'ailleurs, c'est bizarre que la voie continue pas ici, mais pourquoi pas? Est-ce que j'ai fait un fail encore? Non, a priori. Non, parce que c'est pas normal que d'une part les deux voies soient aussi séparées, donc c'est un bug de. C'est un bug. Donc là, il y a encore un bug. Il y a encore un petit bug. Il met pas de message d'erreur. Non, c'est toujours les mêmes. Ok. Pourquoi il y a un bug? Parce que donc la voie en fait qui se trace, c'est celle-ci. Ok. Par contre, celle-ci, elle est pas censée exister, hein. Celle-là, par contre, elle est. Oh. La gare que vous avez là, elle est assez stylée, je trouve. Assez classe. Il y a des configurations qui sont vraiment très cool à observer et puis à s'imaginer après ce que ça donne en trois dimensions, quoi. Ça doit pas exister, ça, hein. Alors, du coup, on va supprimer la gestion de ces cas-là et recharger pour comprendre ce qui se passe bien. Ok. Donc là, on a un bug. On a un bug parce que. Parce qu'il prend pas en compte tout. Donc on a forcément des voies en impasse quelque part. Dans cette configuration-là, hein. Je pense que les deux dernières, a priori, ça doit être ça. Hein. Ouais. Mais il est censé tout seul arriver à faire les liaisons. Donc, est-ce que c'est des in-way ou des out-way? C'est la question
Ah, 200 balles. Bon, ça doit être des outway du coup. Parce que là, ça crée rien du tout. Donc, normalement, en fait, le canvas, il est orienté dans l'autre sens. D'ailleurs, je devrais le savoir parce que tout la gare, elle se dessine de ce côté-là. Et puis après, on fait la rotation. Bon, alors, quel est le problème? Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il trace quelque chose vers le. Vers le haut. C'est pas normal. Donc là, il fait un trait, en fait, enfin une courbe, c'est un bézier, hein, mais comme il est tout droit, ça fait un trait. Il fait un trait entre ici et là. Mais non. Alors, peut-être que, en fait, ce qu'il faut faire. Comment ça fonctionne déjà de bézier curve? Le Draw Bézier Curve. Draw Station, Draw Platform, Draw Line, Draw Bézier Curve. Donc init x, end y. Ok. Oui, donc a priori ça doit pas faire plus. Ça doit rien changer de le faire dans un sens ou dans un autre. Ce que je me pose comme question. C'est juste pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça va jusque-là? Et pourquoi celle-ci elle est pas reliée? For I angle NB middle way, I inférieur à out way, I plus 1. Ce qui est pas normal, c'est qu'ici on a une voie qui s'arrête. Ah oui, c'est en fait là, c'est une gestion de. C'est une superposition de cas. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les voies en impasse déjà. Celle-ci, elle serait forcément reliée. Après, la dernière, effectivement, elle l'est pas. Mais alors, ça reste incompréhensible que ça aille ici. Parce qu'on prend la dernière, ouais. On relie tout ça ici, normalement. Ce qui est logique, hein, d'accord? En fait, on va de ce point-là. Je le mets en trop petit, c'est chiant ça de devoir mettre tout en. Vous agrandir, vous rétrécir ça tout le temps. Hop. En fait, on va de ce point-là à celui-là. Ce cas-là, il n'est pas géré et je vous avoue que là, comme ça, je vois pas comment le gérer. Mais à la limite, c'est pas trop grave. En revanche, si on avait les deux voies qui s'arrêtaient avant, c'est un peu embêtant. Donc, on va essayer de le gérer et corriger surtout ça. Parce que il est pas censé arriver ici, c'est pas possible. Il est juste censé faire un bézier de là à là. La question que je me pose, c'est quand le bézier il est tout droit, est-ce que il fait n'importe quoi? Et pour ça, va falloir juste imprimer en fait les coordonnées quoi. On se rend compte de pourquoi. Est-ce que c'est vraiment le fait de dessiner en bézier un bézier qui. Bon, c'est pas hyper gênant, hein. C'est des configurations qui sont du coup buggées, mais qui sont cool quand même. Voilà.
C'est juste. Ah, c'est pas déconnant, on va dire, comme configuration non plus. Très cool aussi celle-là. Ah, par contre, j'ai perdu le seed, je crois. C'est pas celui-là, hein. Mince. Est-ce que les gars, j'ai fail et que je n'ai pas copié le seed? Oui, c'est tout à fait ça. Et alors là, pour retrouver. Alors ça se finissait en comme ça là. Bon, essayer juste de retrouver une configuration hein, qui fonctionne. Ouais, qui soit dans le même style. Putain, j'ai fail. Hein. Encore. Ouais, non, là on est exactement le même nombre de voix. Et forcément, c'est quand tu demandes une configuration. Ah, oh, voilà. Oui, mais là, les voix, elles sont au nord. Et ça fait le même schmilblick, hein. Oh. Parce qu'en fait, ce qu'il est censé faire, c'est faire un touc ici. Un bézier vers cette voie-là, mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi il le fait vers ici? C'est exactement le symétrique en plus. Je le fais après la gare, ça. La gare, je le fais après, de toute façon. Oula, c'est quoi c'était? On a l'impression que c'est complètement inversé. Parce qu'il aurait dessiné ce bézier par ici, ça posait pas de soucis. Bon, c'est rentré dans la gare, mais à la limite, c'est un détail. Mais il n'est pas censé le dessiner par là, le bézier. Et en plus, c'est le point initial qui pose problème. C'est le point initial et c'est la coordonnée Y. Ah bah alors ça, j'avoue, là j'ai pas la solution. Je vois pas du tout ce qui peut causer ce problème-là. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais on n'est vraiment pas censé avoir ce genre de choses. Enfin, ça choque pas parce qu'on peut imaginer que c'est un petit doigt de rebroussement, mais cette configuration-là, elle est pas censée exister. Hein. Voilà, c'est plus, ça tient plus du bug que de quelque chose de voulu. Et ça, ce qui a l'air de se passer, c'est juste le Y. Enfin, on a fait une symétrie entre le Y ici, mais c'est pas possible. Enfin, j'avoue que je comprends pas. Alors, c'est peut-être que j'utilise mal ma courbe en Bézier, je sais pas. Enfin, ma fonction draw Bézier curve. Ah. Est-ce que c'est parce que il faudrait que j'écrive draw curve et pas draw bézier curve? Pourquoi je l'ai utilisé? Je l'ai créé pourquoi la draw curve tout court? Ah oui, non, je l'avais utilisé pour dessiner des courbes. Ouais, bref, je me comprends, pour autre chose. Donc elle est utile, mais pas encore. Je pourrais l'enlever. Ce que je sais pas, c'est pourquoi cette fonction-là bug maintenant. Enfin.
C'est pas qu'un bug, mais si. Un peu quand même. Ah, il n'y a aucune raison que ça fasse pas... Enfin... Ce que je veux, hein. Surtout le NDX. Il prend combien d'arguments le Bézier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pour faire des quarts de cercle en fait. Le draw curve et la courbe en Bézier, c'est pour faire ce genre de configuration un petit peu en S là. Donc pour avoir le milieu ici. Il me semble que ça définit plus ou moins le point. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en gros, ça définit le point du milieu. Il y a une très bonne vidéo en anglais sur les courbes en Bézier. Je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que vous cherchez Beauty of Bézier Curve et vous devriez trouver. Elle est très 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 chouette. Avec des superbes animations, toutes colorées et tout. Elle explique très bien les choses. Beaucoup mieux que ce que je pourrais faire ici. Est-ce que ça serait pas parce qu'on prend les queues des Y en fait? Bah non, parce que si je fais la moyenne des X, de toute façon ça va donner X. Donc ça va pas me donner ça. Bah, j'avoue que voilà, il y a des configurations là, je les explique pas. Et il y a un problème quelque part, une erreur de raisonnement mathématique quelque part. Parce que dans le dessin des voies supplémentaires ici, hein, les petits rattachements, donc là on le voit pas, mais... ouais, non, ça c'est les cas où en fait on a plus de voies au nord, au sud, que de voies centrales. Donc c'est des cas qui sont archi minoritaires. Ils sont très rares, mais voilà. Là, on a encore un cas qui est complètement buggé. En soi, il est chouette, hein, mais il fait pas du tout ce qu'on veut. S'il fait des dessins vers des liaisons qui sont pas censées exister, je comprends pas. Il peut pas là normalement traverser. Alors là, c'est pour le coup, c'est bien le init qui fonctionne. C'est celui, c'est la partie d'en haut qui fonctionne pas bien. Et qui fait des dessins vers le, vers les par la partie au sud. Je te comprends pas. J'ai pas l'impression qu'on avait ce problème-là tout à l'heure avec les X et les Y. Hein. Quand on a décomposé les choses. Ah, le truc qui peut se passer aussi, c'est que on a des moins 1 à la place du middle point. Non, les. Ce qui peut se passer effectivement, c'est qu'on a des moins 1 là dans les coordonnées x et y, enfin dans les coordonnées y plutôt. Alors, on va tester du coup parce que les coordonnées x et y elles sont comment dire absolues donc on peut les remplacer. Hein. Coordonnées y seulement, seulement la coordonnée y. Allez, on la connaît. Cette fois-ci, on va essayer de réutiliser ce site qui est complètement buggé. Hop. Je vais le mettre genre dans mon code histoire que. Voilà. Tac. Donc, ce que j'ai modifié pour que vous puissiez voir, c'est là. Au lieu de reprendre les coordonnées qui sont dans middle points, qui sont forcément qui peuvent dans certains cas être égal à 0.
moins 1, pardon, et qui du coup ont toutes leurs chances de tout faire veiller. Parce que je gère pas le cas où ces voix sont en impasse, hein, donc a priori, voilà. Et donc j'ai remplacé ça par les positions en Y, mais de manière absolue, et je ne l'ai pas remplacé au bon endroit d'ailleurs. Voilà. Et là, du coup, on devrait être un petit peu mieux. Hop, on va voir ce que ça donne. On va copier ça. Ça a pas l'air beaucoup mieux. Hein. Ah, si! C'est beaucoup mieux. Bon, bah du coup, c'était ça. Hein. Là, ça fait exactement ce qu'on veut. Du coup, les voix qui devraient être en impasse, elles le sont pas. Ah. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave parce que si toutes les. Alors ça empêche pas qu'il y ait toujours les bons cas de voix en impasse. Hein. Avec la configuration de la gare qui est elle-même en impasse. Parce que théoriquement, si c'est le cas, ben ils dessinent pas les voix. C'est. Si je reviens dans le code, touc 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 touc, que c'est ça. Hein. C'est cette condition ici. Donc s'il n'a pas de voie à dessiner ici, il n'a pas de liaison à faire après. En fait, il faudrait une double incrémentation pour bien gérer le truc. Enfin, il faudrait une double boucle phare. Pour qu'il recherche ici la position X qui n'est pas en impasse. Et ben, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas pour longtemps. Alors, une petite boucle. Ça fait une boucle supplémentaire et puis une condition supplémentaire. C'est dégueulasse. Oh non, complètement. Hein. For J égale. Alors faudrait l'incrémenter, mais. Est-ce que ça marche le J moins moins? Bon, on peut l'incrémenter dans l'autre sens, hein, a priori, je pense. Ce qui est possible avec Python, doit l'être avec JavaScript. Hein. J'écris ça sans. Ah oui, la difficulté. En fait, il faudrait faire un while plutôt qu'un for. Alors, la question, c'est comment. Le while, ça doit fonctionner comme les if, non? Ouais, je pense. Donc, J égale button.length, pouf, touc touc touc. Donc ça, on le met là. On va mettre un petit indicateur. Comment on peut dire links se succide? While links success différent égal égal 0 end alors c'est pas ça en JavaScript le end ça doit être peut-être comme ça je sais pas on va dire que oui
Links success, ok. Et la deuxième condition qu'il faut mettre, c'est faut que le j plus grand ou égal à 0. Voilà. If, donc là à l'intérieur on met une condition, si middle point de j 1. Alors oui, faut pas écrire, faut mettre ça entre parenthèses. La notation en JavaScript est super lourde, mais bon, c'est quand même plus facile pour faire des outils interactifs que Python. Plus facile à partager en tout cas. Alors, on a un peu de musique. Je vais essayer de vous trouver quand même les musiques. Tac. Alors, ça c'est dans musique. Tac. Et je fais ajouter à la playlist. Ça marche pas, ça non. Ajouter à la liste de lecture. Voilà. Donc ça, est-ce que je peux supprimer? Supprimer la liste, ok. Ça c'est pareil. Parce qu'il n'arrive pas à les trouver. Supprimer la liste. Ça c'est pareil. Et trouve un prof provisation. Ceux qui sont en double, je les supprime. On n'a que des originaux là, je crois, ouais. Nickel. Ça, c'est la musique de la première cinématique que j'ai faite sur la ville de Larcée. Bref. Vous êtes content de le savoir, j'imagine. Alors, hop là. Donc la condition ici, c'est différent de moins 1. Et dans ce cas-là, on dessine la courbe en Bézier. Ça d'accord. Vers le J ici, et ça devrait être mieux. Voilà. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est on dit links success égale 1. Et on n'a pas besoin d'incrémenter J dans ce cas-là, parce que la boucle while va s'arrêter. Par contre, dans le cas inverse, else, on fait J moins moins. Voilà. Et on devrait résoudre les problèmes, je sais même plus lesquels. Bon, on va voir, hein. On va essayer de trouver les configurations qui répondent à cette problématique qui était plus de voix sur les côtés qu'au milieu. Hein. Donc ce genre de config là. Et c'était pour gérer les voix en impasse, donc c'est des cas qui sont rarissimes, hein, mais bon. Là, a priori, on a au moins une voix en impasse ici. On peut essayer de les simuler en fait, c'est plus facile si je mets des chiffres là-dedans. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal en vrai. Là, ce genre de gare, c'est marrant. Hein. Bon, les deux voix communiquent pas, ce qui est très bizarre. Mais là, c'est normal. A priori, c'est normal. C'est pas un bug. On prévoit pas ce cas-là. On essaiera de gérer ça plus tard. Là, c'est pas mal aussi. Hein. On a bien une voix en impasse. Ok. Qu'il est censé. Ouais. En plus, c'est exactement un des cas qu'on vient de résoudre. Parce que normalement. Il aurait pu faire une voix ici, mais il le fait pas. Ok. Ouais, c'est très. Voilà, ce genre de cas aussi. J'aimerais bien en trouver un où on a que des voix en impasse, moi. Ouais, on est censé avoir des voix en impasse. Ah, genre ce cas-là, normalement, on est censé. Il y a des voix qui sont censées se rattacher là. Hein. Mais comme on a des impasses, ça l'a pas fait et ça a l'air de bien fonctionner. Ok. Ça fait des trucs qui sont assez propres quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est. Chouette. Ok, donc ça c'est réglé et plus qu'à l'implémenter pour l'autre côté.
Tac, donc là on a Outway. Et on va relancer vite fait la playlist. Spring Morning, on n'a pas encore écouté, je crois. Ah, Ohuri Village, celui-là est cool. Ohuri Village, toujours la musique d'Adrian von Ziegler. Parce que c'est un peu chill, c'est cool quoi. Hop. Donc là j'ai modifié, j'ai rajouté ce bout de code là pour le. Pour ça, et ce qu'il faut tester, c'est pas le 1, c'est le 2. Link success, après c'est le reste est pareil, sauf ça, ça c'est bon. Tac tac tac, pouf pouf pouf, pif paf pouf, hop, ok. Bon, ça a été un peu casse-pied à gérer comme bug. Hein. Ok, nickel. Eh bien, on est presque bon. Au niveau commentaire, je pense que c'est pas mal aussi. Là, c'est rotation. Bon, après, voilà. On a le dessin des voies, des cordes, des différents corps de bâtiments. Dessin des liens entre les voies centrales et les voies sortantes. Ok. Dessin des quais, dessin de la gare. Pas de soucis. Donc là, c'est à peu près commenté comme il faut. Là, on a des espaces en trop. On a juste un dernier petit bug que j'ai vu tout à l'heure. Ah non. On est censé avoir cette voie-là qui se. Ouais, bon. Alors, il y a peut-être quelques cas encore où c'est pas. À moins que j'ai pas rechargé, hein. C'est ce qui est tout à fait possible. Alors, le dernier bug qu'on doit gérer et qui se voit, hein, c'est le fait que le bâtiment pont là que vous avez ici, il n'aille pas jusqu'au bout. Ça, c'est dû au fait que d'une part, on décale légèrement le bâtiment hein, par rapport aux voies, donc c'est normal que la dernière voie soit pas couverte. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on couvre aussi le quai. Alors, faut juste analyser un petit peu dans quelle situation ce cas se produit. Donc là, on a un nombre impair de voies. Ok. Là aussi. Est-ce que dans un cas où on a un nombre pair, ça se produit? Oula, ça c'est un peu dégueulasse. Est-ce que c'est normal que ça fasse ça? Ouais, j'imagine. Bon, après, c'est pas un problème. Ça reste réaliste. Donc là, on est impair. Là. Là, on est pair, mais il n'y a pas de bâtiment pont. Comment dire? Non, on était en tac. Là, on est toujours impair. J'aimerais bien avoir un nombre impair de voies, là. Ah oui, mais je regarde pas du bon côté. Là, on est pair. En fait, c'est tous les cas où il y a un bâtiment pont que ça fonctionne pas. Non. Si c'est ça, c'est que. Enfin, ça simplifie grandement les choses en fait. Oh, celle-ci, elle est superbe comme musique. Hein. Ohuri Village. Je vais la mettre un chouïa plus fort, quitte à ce que vous ne m'entendiez plus, de toute façon, c'est pas très grave. Ok. Du coup, c'est effectivement tous les cas, ce qui simplifie énormément les choses. Tous les cas où on a, sachant qu'il y a deux voies minimum, je crois, au milieu. Donc, on a forcément un deuxième quai ici. Il y en a aussi un sous le, je crois, sous la gare, hein, mais on le voit jamais. Et dans tous les cas où on a un bâtiment pont, même ce cas minimaliste ici, eh bien on est censé normalement toc, couvrir juste ici, sinon ça sert à rien. Donc en fait ce qu'il faut rajouter c'est les pixels qu'il y a de décalage hein, pour arriver là-dessus, plus le décalage qu'il y a entre la voie et le quai, plus le quai. Et alors ça, faut le rajouter dans
la longueur. C'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, on rajoute un... Ah non, on fait un moins, donc on fait un moins. Le Wayspace, c'est l'espace entre les voies. Et l'espace entre la voie et les voies et le quai, c'est quoi? Qu'est-ce que je... Comment on sait ça? Comment je peux savoir ça? Multiplicateur pour la largeur des clés, espace entre les voies centrales, Wayspace, ok. Et l'espace entre les voies et le quai... Draw platform, DX. C'est 3. Ça va pas nous arranger ça. Faudrait que je l'ai en variable plus globale ça. Ouais. On va. Alors déjà on va changer le nom de la variable. On va l'appeler PM. Et delta, c'est un. Un D DVQ, distance entre voie et quai. Ok. Donc ici c'est plus DX mais DVQ. C'est surtout qu'on pourra la réutiliser ailleurs en définissant ça de manière un peu plus globale, c'est intéressant. Et donc on va rajouter ça ici. On peut mettre 3, hein, ça n'a aucune incidence. Et distance entre les voies et les quais. Donc, quand on appelle drawPlatform, par contre, ici, il faut rajouter hop, cette variable-là, dvq. Ok. Dessin des quais extrêmes. Il y a peut-être aussi un autre endroit, voilà, genre ici. Et on va en avoir besoin, du coup, quand on dessine la gare. Alors, je les mets toujours en variable parce que, je sais pas, dans une autre version plus tard, je me dis que peut-être qu'on fera varier tout ça autrement, je sais pas. Pour l'heure, c'est utile de pouvoir redéfinir ces choses-là. Si d'aventure j'ai envie de faire un ajustement de design aussi, bah, j'ai juste à modifier ça à un endroit et pas partout. Ce qui est quand même pas négligeable. DVQ, donc le DVQ, c'est paf ici. Donc l'espace, il est de deux fois ça. Hein. A priori, ouais, parce que c'est le DVQ en plus est égal au nombre, c'est ce petit 3 là, voilà, le plus 3 qu'on a ici, on va remplacer ça par DVQ, DVQ, non, D, ok. Donc ça c'est la puissance donc on n'a pas besoin. Par contre ici c'est pareil, c'est aussi ce petit delta. C'est-à-dire que si je le modifie, j'ai moyen de en fait écarter mon bâtiment et puis gérer peut-être le cas qui est ici qui est un peu chiant. C'est vraiment stupide à chaque fois, c'est que je pense pas à vous remettre ça comme il faut. La bonne largeur. En fait je devrais le mettre de l'autre côté, non? Bah si. Ah, c'est mieux, non? Parce que à la limite, le dossier, vous en foutez. Mais par contre, là, comme ça, vous voyez le code et puis la simulation en même temps. Ok. Et Wayspace x7. Est-ce que ce serait pas le platform multiplicator qu'on a au début? SOU. Non, PM égale 3. Multiplicateur pour la largeur des quais. À la limite, faudrait le mettre aussi parce qu'on a besoin d'avoir cette information-là pour gérer le petit cas. C'est quoi, comment il s'appelle? PM? PM. Platform multiplicator. Ça, c'est du nom de variable.
Du coup, on était où? On était là, donc on est à moins moins des vécus, à deux fois des vécus, comme ça on est sûr que c'est bon. Et moins PM fois Wayspace. Puisque la largeur des plateformes il dépend de PM et puis de Wayspace tout simplement. Et normalement, si j'ai pas fail, on devrait avoir des choses un petit peu plus chouettes. Eh ben non. Ça fait l'inverse de ce que je veux. Ah oui, parce que je l'ai mis dans le moins. Je l'ai mis dans la parenthèse, donc faut juste remplacer les choses par des plus. Ah, bah ça va trop loin pour le coup. Ça m'étonnerait qu'on soit juste à 3 pixels, hein, mais. Bah, pourquoi ça va aussi loin que ça? Bon, après, c'est que ça recouvre, ça me choque pas particulièrement, mais c'est qu'il y a quand même une erreur de raisonnement mathématique derrière. PM. Alors peut-être que peut-être que les plateformes en fait elles sont pas faites comme ça, je sais pas. Bah si, c'est Wayspace moins. Ah oui, c'est Wayspace fois PM moins 2 DVQ. Ah, ok, c'est pour ça. Donc en fait ici c'est moins DVQ si on veut. Si théoriquement, si on veut que ça couvre juste le quai, est-ce que faut que ça s'arrête pile poil? La question c'est est-ce que hop, faut que ça s'arrête pile poil au bord du quai ici, ou est-ce que ça peut dépasser un petit peu et de sorte à ce qu'en fait le bâtiment il recouvre le quai et puis là il est un petit peu plus loin, ce qui est si on imagine ça en trois dimensions, ce qui est un peu plus réaliste en réalité. Donc ouais, peut-être qu'on va se laisser comme ça. Ouais, on va le laisser comme ça. Je vais laisser le plus. Ouais, c'est un choix de design, on va dire. Ok. Bon, alors, a priori, il n'y a plus trop de bugs. C'est surtout sur certaines petites configurations, hein, ce genre de configuration-là qui est buggé. Elle est carrément buggée parce que les liens ici ils sont censés se rabattre beaucoup plus tôt. Et là, ils se rabattent là H sur 2, ce qui est étonnant. Alors c'est peut-être juste une toute petite erreur. Oui. C'était une toute petite erreur. Si je remets le même seed, normalement, on est bon. Bon, bah voilà. Très content. Projet terminé. Dans les temps, parce que c'était le projet du mois de janvier. Petit projet de code du mois de janvier. Gros projet quand même, parce qu'on est parti de rien. C'est pas comme si on avait recréé juste une nouvelle version en ajoutant des fonctionnalités. Là, on est parti de rien, littéralement. Le projet du mois de février devrait être un petit peu plus light hein, quand même. Parce que là on a quand même passé 4 streams, moi j'ai dû passer au moins 2-3 soirées dessus. Bon, après je fais toujours deux choses en même temps, donc c'est nécessairement je suis pas forcément très efficace. Alors qu'en stream je suis content parce que j'arrive à être efficace quand même. Hop. Yes. Bon, et alors du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Normalement, la suite des opérations concernant RailStation Generator, c'est que je le mets en ligne là. Voilà, la version 1. J'ai 2-3 petites choses à faire sur le log, enfin des trucs comme ça. Mais grosso modo, il n'y a pas de modification plus que ça sur le fonctionnement de RailStation Generator à faire. Après, je ferai quelques vidéos dessus sur YouTube, du coup, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a tout dessus, c'est un peu le bordel, mais
Bon, en même temps, 12 ans de YouTube, il y a forcément un peu de bordel dessus. Du gaming, en ce moment, je suis un peu sur Minecraft, donc voilà, petite série aussi. Et puis, bah, je vais poster forcément des vidéos là-dessus en essayant de pour faire un peu la promotion de cet outil, qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est juste parce qu'il est chouette quand même. Enfin, à mon sens, hein, si je le mets. Alors, attendez, on va le mettre en full screen. Là. Voilà. Voilà, c'est quand même assez chouette, je trouve. Ah, peut-être que à terme, faudrait que j'ajoute une petite légende ici. Même si c'est assez explicite, hein, on va pas se mentir. Enfin, je sais pas. À vous de me dire éventuellement, parce que c'est assez explicite sur ce que représente chaque couleur. Bon, je mettrai une petite légende dans le doute ici, histoire que ce soit propre quand même. Hop. Ouais. Deuxième générateur procédural du coup. Assez cool. Ah si ça intéresse certains, il y a le Skyline générateur qui est que j'aime beaucoup moi. Alors on a beaucoup plus de contrôle parce que j'ai beaucoup plus travaillé dessus. Hein. Il y a beaucoup plus ancien, donc il y a un peu plus de contrôle manuel qui peut être fait, mais la version de base c'est ça. Voilà, 12h, tac. 12h, j'ai dit. 12, voilà. C'est ça, et puis vous pouvez gérer pas mal de choses. Donc le nombre de couches, ça permet de faire des skylines qui sont beaucoup plus détaillées. Enfin, je trouve que ça fait des images qui sont... C'est hyper simple, hein, derrière, c'est juste... J'ai dessiné des rectangles en fonction de cette graine, hein. C'est con au possible. Mais ça fait des images qui sont assez classe, je trouve. Et on peut gérer un peu les toitures. Bon, alors honnêtement, la monotoiture, c'est un peu spécial, sauf la toiture avec les toits plats qui sont assez chouettes. Ça, c'est douteux. Et vraiment, le mix des différentes toitures est assez cool, je trouve. Il y a les fonds ici. Donc ça va être... Je pense que ça va être le projet du mois de février. C'est... Au lieu d'avoir des couleurs prédéfinies, enfin, on va conserver ces couleurs prédéfinies, mais je vais laisser la possibilité. L'idée, c'est de laisser la possibilité à l'utilisateur d'avoir, de mettre les couleurs qu'il veut. Donc, il y aura toujours le bleu foncé sur le côté, d'accord? Hein, ce bleu un peu nuit ici. Mais je veux rajouter absolument, eh bien, la possibilité de choisir l'autre couleur. Et normalement, on devrait démultiplier encore plus les possibilités. Et toujours garder cette sélection de couleurs. Alors, peut-être pas celle-ci, parce que finalement, celle-là n'a pas trop d'intérêt. Et donc là, on a le choix du moment de la journée. Alors, ce qui se passe derrière, c'est que ça redessine à chaque fois le canvas, hein. Donc, c'est quand même assez rapide à dessiner. Enfin, ce qui est assez cool. Et donc, ça permet de faire des putes. Et peut-être dans une autre version, un jour, arriver à avoir cette animation-là. Animation de toute la journée. Je sais pas si ça peut être chouette ou pas. J'avais pour projet de faire des trucs plutôt ville parisienne, mais ça me paraît compliqué à faire. En revanche, une des pistes, alors peut-être qu'on va travailler aussi là-dessus au mois de février, je sais pas. C'est ajouter un détail. Souvent, les villes, elles sont créées au bord de l'eau. Alors, pas forcément les villes américaines dont s'inspire ce design, hein, bien évidemment, mais les villes européennes sont souvent au bord d'une rivière. Et donc, avoir aléatoirement de positionner un endroit où on n'a rien. Et c'est mine de rien, ça va pas être si facile que ça, parce que vous voyez, les couches, elles sont pas les unes sur, enfin, elles ont pas le même positionnement. Donc, faut faire en sorte que peu importe la couche sur laquelle on se trouve, on n'est pas forcément de comment dire de bâtiment. Et ça, à moins que, ouais, faudrait y réfléchir. Mais vous voyez, on a 15 couches différentes en fait, hein, de bâtiments. C'est là où c'est plus joli, hein, c'est quand on en met à partir de 10, ça devient intéressant. Avant, ça fait un peu vide. Hein. Mais là, quand on en rajoute, ça me semble, c'est assez chouette. Hop. Donc, selon cette configuration-là, on a plein de skylines différentes. Bon, certaines sont pas très très intéressantes, c'est vrai, mais on peut tomber sur des choses assez rigolotes. Quelque chose qui pourrait être assez aussi chouette à faire, c'est randomiser l'horaire de la journée.
randomisée, on s'entend, c'est faire en sorte que l'heure de la journée soit fonction du seed tout en gardant la possibilité de la contrôler. Je sais pas si c'est utile, mais bon. À voir. Ah, mais en fait, c'est déjà le cas, non? Et c'est complètement le cas. Qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est juste que le curseur ici se met pas automatiquement à jour. Ouais, bon. C'est pas bien grave. Ah, c'est juste que le curseur se met pas automatiquement à jour. Et j'ai l'impression qu'il va pas dans les horaires de ce côté-là. Oh, il y a peut-être un bug à explorer. Je sais pas. Bref, à voir. C'était pas du tout l'objectif d'aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on fera certainement le mois prochain, au mois de février, dans les streams de développement. Voilà. Allez, hop, on va se quitter pour aujourd'hui. Tac. Dans tous les cas, eh bien, c'est à peu près tout pour ce soir. Il y aura la petite rediff incessamment sous peu sur YouTube. Donc, si vous voulez revoir l'entièreté de cette vidéo, bah, vous pouvez le faire après. Et sinon, bah, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui se sont passés. Je remercie en particulier Sofol, eh bien, d'avoir suivi la chaîne. N'hésitez pas à le faire, si c'est pas déjà le cas, ou à vous abonner sur YouTube. Bref. Et puis on se retrouve très prochainement pour ben, de nouvelles aventures, peut-être un peu de SIG la prochaine fois, parce que ça fait longtemps et surtout j'ai des choses à faire. Bon, on verra. Je vais surtout regarder si le stream a été potable en termes de débit, etc. Sinon, il faudra attendre que je retrouve ma fibre. On verra ça. Allez, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés d'être passés, et on se retrouve très prochainement. Allez, bye!